Salut tout le monde, c'est LigaTuto pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est un tutoriel qui va consister à créer une miniature YouTube personnalisée. On va prendre en considération les podcasts. Une fois sur Photoshop, vous allez créer un nouveau document dans Fichier Nouveau. Et vous allez prendre une largeur de 1280 sur pixels, bien sûr, sur une hauteur de 720 et une résolution de 96. Et une fois votre document est créé, vous allez prendre votre arrière-plan. Moi, je vais juste prendre une photo d'une chambre avec laquelle je vais incruster Cyprien dedans. Voilà. Une fois les mages emportés, et bien positionnez vos validés. Et vous ouvrez votre image. Dans le fichier ouvrir, moi je vais juste ouvrir une image de Cyprien. Voilà. Et avec l'outil de sélection rapide, W, vous allez bien sélectionner Cyprien. Moi je vais faire un 13. On va sélectionner. Utilisez la touche Alt pour désélectionner si vous voulez désélectionner. Là, je pense que ça ira comme ça. Une fois terminé, vous allez cliquer ici améliorer les contours. Vous allez mettre ici 0,5 et ici nouveau calque. Ok, avec l'outil de déplacement juste ici, vous allez déplacer Cyprien à la première fenêtre. Pour changer sa taille, il faut juste maintenir la touche CTRL enfoncée et appuyer sur la touche T. Conseil pour ne pas perdre la taille, maintenez toujours la touche MAJ enfoncée. Vous le positionnez bien comme il faut. Voilà. Et avec l'outil de rectangle, vous allez dessiner un carré comme ceci. Et dans la fenêtre calque, vous allez double cliquer sur le calque noir, vous allez le dégrader, double cliquer ici, voilà, vous sélectionnez ça et double cliquer ici, je vais prendre du bleu foncé, voilà, du bleu foncé, ok, et un gris, non, je vais prendre du bleu ciel foncé, voilà. Faut baisser l'opacité pour 90 et vous baissez le calque noir en dessous de le calque de Cyprien. Voilà. Et comme vous voyez, on a raté quelque chose ici, alors on va utiliser la gomme pour l'effacer et sélectionner le calque de Cyprien et effacer délicatement. Et
reste un peu dans cette maison. Voilà, une fois fini, vous faites double clic sur le calque noir et vous cochez le contour et vous mettez ici 20 et un gris foncé, c'est intérieur. Ok, comme vous voyez, c'est prêt, mais pas au bon endroit. On va l'augmenter avec une petite sélection rapide. J'utilise les touches de clavier pour mieux être précis. Voilà, et maintenant il ne manque plus que le texte. On sélectionne l'outil de texte, on fait une interface. Celui-ci, comme ça. Notre sujet ici. Non, j'ai juste un truc. Notre sujet. Voilà. On va baisser un peu ça. Ça peut aller en fait. Voilà. Pas mal. Une fois bien positionné, vous allez dans les réglages de calque, vous allez cliquer sur le calque du texte, vous allez cocher l'ombre. Vous mettez comme ça, c'est vous qui voyez. Je vais monter un peu. Oui, le dégradé bien sûr. Je prends ici du blanc. Ici du gris clair. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que voilà, c'est 150. Okay. Voilà, comme ça. Ainsi vous qui voyez, vous faites comme vous le sentez. Degré vraiment foncé. Ok, je vais modifier un peu l'ombre là, ça me dérange. Alors ok, maintenant on risque de dupliquer le calque avec CTRL J. Hop, et vous le déplacez. Avec l'outil texte, vous changez le texte et je vais faire votre texte ici, alors, ici. Valider, mettre ici. Et ici, je vais le mettre ici. Voilà. Je pense que c'est déjà fini. Alors, il ne manque qu'à enregistrer l'image. Pour l'enregistrer, il vous faut cliquer dans Fichier. Et ne pas faire enregistrer sur, mais plutôt vous faites enregistrer pour le web. Voilà, une fenêtre qui s'ouvre. Voilà. Voilà. Ça va être un peu comme ça sur YouTube.
ajouter à la taille cible. Si vous voyez la taille est plus de 2 mégas, il faudrait changer le PNG en JPEG. Ça va prendre plus de taille sinon. Je vais prendre du PNG. Je vais bien sûr accrocher ça. Et enregistrer. Et vous l'enregistrez en vidéo. Tuto fini les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça nous aide énormément, merci, à la prochaine.